Salut, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous raconter une petite histoire. Donc c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement sur tout un tas d'événements en fait, que je fais, euh, que ce soit des événements euh, sportifs, culturels, etc. Je fais beaucoup d'événements en football freestyle, en fait c'est mon métier. Et donc euh, je rencontre toujours, quasiment à tous les événements, ce gars qui me dit euh, « Ouais, euh, mais ce que tu fais, ça sert à rien sur un terrain. Moi je te prends en duel de 1 contre 1, je te mets la misère. » Voilà, donc il y a toujours ce gars qui vient te voir et qui te dit ça, et moi du coup bah, je suis toujours un petit peu chaud, donc je lui dis bah, écoute si tu veux on fait un duel en contre un, et là on part en duel, ok Mais c'est un duel en petit pont, donc le mec je lui fais 2-3 dribbles, et en quelques secondes ou en quelques minutes j'arrive à lui mettre un petit pont, et le truc qu'il me dit à la fin c'est, euh, ah oui mais en match de foot euh, ça sert à rien ces dribbles, euh, ça sert à rien, oui D'accord, là je suis d'accord avec toi, c'est parce que tout simplement en fait le football et le foot freestyle sont deux disciplines complètement différentes. Ok, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, c'est deux disciplines complètement différentes, il y a quelques points communs bien sûr, mais euh, voilà, ça reste vraiment différent. Donc nous allons voir dans cette vidéo en fait s'il existe des corrélations entre être un bon footballeur et être un bon freestyler. Est-ce que le fait d'être freestyler va forcément faire de vous un bon footballeur et inversement Okay. Donc déjà on peut voir le football, le football c'est quoi? C'est une discipline sportive okay. c'est un sport d'équipe qui se joue donc à plusieurs euh, sur un terrain en herbe. Okay. il existe ça existe déjà depuis pff, plus d'une centaine d'années. Hein. le foot ça existe depuis très très longtemps et en fait le foot freestyle ça existe en fait depuis une vingtaine d'années à peu près et le truc c'est que c'est une discipline artistique et sportive. Okay. Il, y a le, il y a la différence que c'est artistique par rapport au football déjà. Et ensuite c'est un sport individuel et pas un sport collectif donc déjà voilà c'est deux sports complètement différents donc c'est pas vraiment comparable mais c'est quand même comparable puisqu'il y a un ballon de foot ok euh, le football freestyle s'est inspiré donc en grande partie de la danse du monde du cirque et également du football bien évidemment donc nous allons voir dans cette vidéo en fait euh, s'il y a donc des corrélations entre être un bon footballeur qui fait de vous obligatoirement ou non un bon footballeur et inversement dans le monde du football euh, que je sache, il n'existe aucun footballeur professionnel qui est devenu freestyler professionnel. Okay Donc ça, évidemment, ça ne prouve rien, puisqu'il y a quand même des footballeurs qui ont un très bon niveau en freestyle. Euh, je donne euh, par exemple euh, Ronaldo, Neymar, Pogba. Donc voilà, ça c'est pour moi les meilleurs, en tout cas, euh, footballeurs qui font du freestyle. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Mais euh, voilà, c'est pour dire que euh, leur niveau en freestyle, il est très, très inférieur. Euh, Au plus basique des freestylers okay C'est vraiment la base de la base qu'ils font C'est vraiment super, ça demande beaucoup d'entraînement Mais c'est la base de la base Et donc pour moi si je dois vraiment donner euh, Les meilleurs gestes par exemple qu'ils ont fait Donc euh, Pogba ça va être le LATW Donc c'est un double tour du monde Et euh, Neymar c'est également un double tour du monde Mais un peu différent, c'est le HTATW okay Donc voilà c'est en ça que pour moi Ils sont vraiment meilleurs euh, Et du coup il y, y a un autre exemple Que je peux vous donner, c'est Anne Garnier je ne sais pas si vous connaissez Céane Garnier, c'est un très grand freestyler qui est... Euh, je pense c'est le freestyler le plus connu dans le monde. Et en fait, lui, euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a gagné les premiers championnats du monde, il a gagné deux fois les championnats du monde, il a gagné deux fois les championnats de France, et il a été également champion du monde de futsal, ok, avec son équipe. Donc c'est quand même un truc de malade. Un freestyler a pu euh, a pu en fait apporter sa technique dans le monde du futsal. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare hein, dans, dans ce, ce monde-là. Donc euh, je pense sincèrement que euh, sa technique en freestyle en fait l'a aidé en futsal Il avait déjà beaucoup de technique en foot en fait il a failli passer professionnel Et donc je pense que ça l'a aidé au futsal ok En fait je pense que le fait de faire du foot ça va vous aider euh, si vous voulez commencer le freestyle hein, Parce que vous avez les bases, vous avez euh, le toucher de balle, vous avez l'habitude de toucher le ballon Vous savez peut-être jongler hein donc euh, ça peut sincèrement vous aider ok Mais ça va pas tout faire le niveau en freestyle, ça s'acquiert avec beaucoup, beaucoup d'entraînement. Ça ne va pas s'acquérir en l'espace de euh, 10 années de foot. Vous allez être un bon freestyler. Non, ça c'est impossible. Okay Il va falloir s'entraîner. Okay Maintenant, on va voir dans l'autre sens. Est-ce que le fait d'être un bon freestyler, vraiment un excellent freestyler, va faire de vous obligatoirement un bon footballeur Alors pour ma part, je ne connais aucun freestyler qui est devenu footballeur professionnel. Vraiment aucun. Okay donc Est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est une question de niveau On ne sait pas vraiment mais en tout cas il n'y en a aucun je pense néanmoins que le fait de faire du freestyle ça va vraiment vous apporter quelque chose au niveau de la maîtrise technique de la maîtrise du ballon euh, par exemple au niveau des jongles un freestyler c'est obligé de savoir bien jongler merci la moto donc voilà un freestyler c'est obligé que ça c'est bien jongler okay donc au niveau des contrôles de balles au niveau de la maîtrise technique en ground move quand vous faites des gestes au sol par exemple avec le ballon au niveau des dribbles ça va vous aider okay mais ça fait pas de vous enfin j'en suis certain ça ne fait pas de vous. Un bon footballeur, c'est obligé. Okay Un bon footballeur, il lui faut quoi Il lui faut l'esprit d'équipe. Il lui faut la vision. Il lui faut les passes. Il lui faut... Euh, voilà, il y, y a une vision en fait de footballeur qu'on n'a pas dans le freestyle. On joue individuel. Au foot, on joue collectif. Ce n'est pas la même chose. Donc bien sûr, ça va demander beaucoup d'entraînement en football. Les professionnels, ils ne sont pas devenus professionnels comme ça, en claquement de doigts. Okay ils se sont énormément entraînés. Et donc c'est pour ça que le foot, pour moi, euh, pour conclure cette vidéo, le foot... Ça permet bah, de commencer le freestyle, hein. c'est un atout ça c'est sûr, par rapport à quelqu'un qui fait euh, de la danse, euh, et encore de la danse ça peut, ça peut aussi être utile, mais bon voilà, par rapport à quelqu'un qui fait du basket, bah, un mec qui fait du foot, il sera forcément plus à l'aise avec un ballon au pied, ok Et pareil dans, dans l'autre sens, si un freestyler euh, a envie de faire footballeur pro, ça va l'aider, ok Ça va bien sûr lui donner un atout au niveau technique, mais il va falloir qu'il apprenne et qu'il charbonne pour apprendre le reste. Ok voilà, donc je vais terminer cette petite vidéo comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de, de lire tous les commentaires, de voir un petit peu vos avis. Parce que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Et euh, voilà, donc je vous remercie. En tout cas, si vous voulez aller checker, j'ai créé une nouvelle formation. Vous pouvez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Ça me ferait super plaisir. Vous me donnez votre avis sur la formation, etc. Et on se dit du coup à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao